comment tu vas, ça va? Ça va. Attends, t'as chaud, toi? Ouais, super chaud. Putain, tu vas bien, ça va? Quoi? Moi, je sens que t'es bouillant. Ouais, j'ai chaud. Oui, il y a une aura qui se... Ah, mais je t'ai dit, je suis chaud bouillant. Chaud. C'est demain, mais je suis déjà chaud. Ouais. Mais il chauffe, pour moi, qui monte. J'ai mis en train de me chauffer, sauf que... Ah, d'accord. Moi, je suis chaud bouillant. Bah alors. Ouais. On t'a quand même pas la même tête qu'en Espagne et au régional. Hein. Au régional, t'étais tiré de partout. Ouais, au régional, ah ouais, j'étais. À la fin, ouais, j'étais bien tiré. Moi, je suis arrivé, on s'enregistre. Ce qu'on voulait mettre l'accent, c'était le côté Team Beauty. Et ça, je pense que c'est notre plus grande réussite pour 2023. Parce que maintenant, quand on parle de Beauty, on parle pas de moi, on parle de la Team Beauty. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans la team parce que ça fait un peu rêver, on nous voit toujours ensemble. Je pense que ouais, c'est notre plus grande réussite. On a vraiment réussi à créer un noyau commun. Et demain, pour la dernière compétition de la saison, on va le montrer encore plus, puisqu'on est quasiment tous là, même s'il y a très peu de monde qui monte sur scène. Donc voilà, on a vraiment réussi à créer une cohésion qui n'est pas juste fictive sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Pousse. Tu peux étirer un peu plus? Ouais, voilà. Ok. 13 combien de repas, toi? T'en restes un ou deux? Bois pas le 300 ml en plus, fais un litre. Donc en gros, là, t'as 300 dans la crème de riz. Ouais. Et donc après, tu fais 700 ml jusqu'à ce soir. Prends du sel, prends tout ce qu'il faut à côté, et puis après, on voit. Parce que si c'est comme original, il y a quoi? Il y a même pas une demi-heure entre nos lycées et H. Ouais. En vrai, ils enchaînent assez vite. Okay. Parce que comme ils ont du retard. Mais prends ce qu'il faut. C'est marrant, c'est que j'avais plus d'attentes en début d'année où pour moi j'avais beaucoup de pro-cards. Finalement, je n'en ai pas eu. Et cette année, j'ai eu plein de résultats alors que c'était que des premiers, des nouveaux, tu vois. Donc, 2024, comme t'as dit. Ah, j'en ai vraiment des biens. 2024, j'en ai vraiment des bons. Mais en bas, t'es jeune. Ça a commencé l'enregistrement? Ouais. Ah ouais. On a fini depuis longtemps. Hein. Ah ouais? Lucie, elle est venue après. Mais ouais, ça fait... on est venu genre une heure avant l'inscription. Au moins, on était sûr de passer direct. Là, tu vas juste au TAN, là-bas? Bah, les deux. Je pense, comme je l'ai dit, il n'y a rien qui arrive par hasard et ceux qui méritent auront ce qu'ils veulent. C'est un sport qui est un marathon, comme on dit. C'est sur du moyen long terme que je vois les choses. J'espère pas réussir une année grâce à quelqu'un, grâce à Manon, pour venir espérer devenir un pro-coach. Peu importe qui je travaillerai, mon but est toujours le même. Donc voilà, j'espérais pas que Manon gagne cette année pour pouvoir percer entre guillemets en tant que préparateur. Donc c'est pas pour cette année. Tant pis, en même temps, tant mieux. On apprend davantage. Je pense que cet échec nous a fait du bien, même si des fois on peut trouver pas forcément ça mérité. Mais le retour des juges est celui-là qu'on attendra. Donc voilà, ça nous permet de revenir plus fort. Et puis cette année, on sera surtout que tous les deux, par exemple. Il n'y aura personne pour interférer dans la relation. Donc je sais qu'on aura 100% des résultats parce qu'elle fera 100% de ce que je dis, tout simplement. Mais sinon, globalement, sur l'année, non, je suis très content de ce qu'on a fait, de ce qu'on a obtenu. Et tous les petits échecs, ça nous mène à ce qu'on est maintenant. Et ces échecs-là, on ne les fera pas l'année prochaine. Là, c'est pas sur la même ligne. C'est pas sur la même ligne, regardez bien. Vraiment sur la même ligne, voilà. De face, on fait de face, le biceps. Non, c'est bien, le haut il est vraiment bien. Ouais. Le bas, j'ai l'impression qu'on peut faire mieux, mais je pense que d'ici là, on va tirer un peu d'eau. Je vais m'allonger. Là, je rends l'air et je bouge plus. C'est pas devant, c'est plus sur les ischios qu'on peut chercher un peu plus d'eau. Un peu plus de. Sur les ischios, tu sais que j'ai plus de mal à contracter. Mais c'est ça, t'as du mal? J'ai déjà plus de mal. C'est quelque chose que je maîtrise pas bien. Bah alors, t'as mis ton peignoir? Oui. Je sais, je trouve belle. Elle prend une posture. Elle prend une posture. Maquillon. Elle est maquillée. Merde. Non, mais c'est parce que le teint va pas avec. Je vois, c'est quoi les notions quand même? Ah, je veux voir si ton teint est sec! Non, elle exagère quand même. Même si je commence à avoir de l'expérience avec les années, les critères changent, le niveau augmente. Donc forcément, c'est toujours difficile de savoir où on peut se trouver. Encore plus dans des catégories comme bikini, par exemple, où. Franchement, le jugement, il est très. Il est très discutable des fois. Donc pour Marie, c'était entre guillemets une surprise qu'elle gagne. Et en même temps, pas vraiment, parce que je lui ai dit qu'elle avait un sacré potentiel sur plutôt du moyen long terme. Mais c'est sûr que avant le régional, j'aurais plus parié sur Lucie que sur Marie. Ah bah,
Prends le temps, penche-toi à fond. Meilleur physique ever, sûr. Le champ. Là, t'es parfaite. Vitamine C, t'as pris ce matin ou pas? Ce matin, j'ai pris 500 mg. Je prends 500, un bop et un dans deux lieux. Je pense que de toute façon, pour devenir un excellent préparateur, il faut un très grand nombre d'athlètes. Plus tu auras fait de piques différentes, avec d'athlètes différents, plus tu vas pouvoir anticiper les choses. Et c'est ce qui fait que les plus grands préparateurs du monde en ce moment règnent. C'est parce qu'ils coachent tellement de monde ou ont coaché tellement de monde dans leur carrière qu'ils savent à peu près quoi, quand faire. Et donc là, je le vois, plus ça passe, plus j'ai d'athlètes, plus j'ai d'expérience, et moins je me rate. Ce dicton qui en dit long sur cette team, c'est passion, action et noble intention. Passion pour l'amour de ce sport. Il y a beaucoup trop de gens qui font ça par mimétisme ou parce que c'est un peu la mode ou parce que c'est bien d'être sur scène. Beaucoup trop d'athlètes qui sont sur scène et qui font la gueule et qui on se demande pourquoi ils font ça. Donc c'est tout ce que je veux pas. Action, simplement parce qu'on est tous là à parler sur le réseau et à parler de pro-card et quoi que ce soit, et finalement quand on regarde à la fin, il n'y a pas grand monde qui fait le taf. Donc j'ai parlé, c'est bien, mais les actions, c'est bien mieux. Et j'ai envie d'être avec des gens qui sont dans l'action et pas qui se posent toujours la même question à longueur de temps et qui mettent 6 ans à prendre leur décision. C'est pas d'avoir des étoiles filantes, mais bel et bien d'avoir des athlètes qui brillent sur long terme et qui restent avec moi sur du long terme. C'est toi qui m'as fait. Je suis toujours avec mon coquin. Non, c'est bon, on rentre. On sait que t'as des plus grosses. Moi, c'est lui. Alors, content d'être venu. Ouais, bon, regardez pas ce que ce soir. Moi, c'est pas grave. Regarde, de toute façon, je vais te faire. Je t'aime pas. Tu le rapportes ce qu'il y a là. Je te raconte. Au revoir, Max. T'es content? Tu sais qu'elle a gagné. Tu sais qu'elle a gagné. Je l'ai vu tout à l'heure, toi. Toi, t'aimes me filmer, toi. C'est ça ton problème. T'aimes me filmer. Non. Non. Mike, il m'a dit ça. Oui. Ah oui. Oui. J'ai les photos, tu verras, je sais pas, si pour moi c'est juste la ligne, c'est en fait c'est sur la taille. La ligne. Ouais, pour moi c'est la ligne. C'est pas la masse. Après, si tu prends une fille qui gagne l'overall, si de fait ça a les plus grosses, les deux premières, les deux plus grosses fesses. Mais la masse de quoi? Les épaules? Non. La masse des dos? Non. Je sais pas, je te demande. Après, forcément, t'as les plus grandes jambes, plus grandes, ouais. Forcément ça apparaît peut-être plus fin. Mais encore, franchement, encore, tu verras pas les plus ouais. Téléphone, mais... Moi, tu peux être sûr d'une chose, mon gars, c'est que le travail, je fais. C'est ça que je disais, c'est que les gens qui ont moins de génétique, ceux qui travaillent le plus. Ouais. Bah, de toute façon, c'est pareil à l'école. Tu fais top pour l'arc. Si, à l'école, j'étais dans les derniers de la classe. Un jour, je me suis dit, je vais être premier. J'ai toujours été premier et je suis allé chercher, mais je bossais comme un âne. Je crois que je me faisais disputer par mes parents parce que je travaillais trop. Ils me racontaient, ils me sortaient de la chambre. Mais de toute façon, quand tu veux réussir, tu te donnes les moyens, c'est tout. Il y a toujours des excuses, hein. Au début, quand on s'est lancé, il y a eu un petit peu du mal parce qu'en fait, je suis quelqu'un de curieux, tu veux. Et puis, il avait des a priori par rapport à une connaissance qu'on avait en commun.
Et je suis quelqu'un de curieux, donc je pose beaucoup de questions. Mais ça ne veut pas dire que je ne te crois pas ou que je ne suis pas. Au contraire, je pense qu'il a compris que... Bien je viens de lui envoyer un message pour demander si je pouvais manger ma crème de riz. Hein. Ouais. Alors que j'ai la dalle. Mais j'attendais sa validation. Parce que je suis comme ça. Moi, je suis carré de chez carré. Tu sais ce que j'ai promis à madame. Ouais, je sais. Donc, si tu n'y arrives pas et que j'y arrive pas, on va se faire engueuler. Pour moi aussi. Hein. Ouais, parce que j'ai promis à ma femme que si j'arrive à aller chercher la carte ProMaster, on se marie dans la foulée. Hein. Pourquoi j'ai une partie de temps, parce que dans le temps où la finale, ils gagner. C'est ça son problème. Il sait pas s'arrêter. Pour moi. Tu veux le spéculoos ? Non. Arrête ! Vraiment très bon. Très bon ? Vraiment bon. C'est de qui ? Cookie Story. Cookie Story. Cookie Story, suivez sur Instagram. Mais nous aussi. Tu manges que ce que je te dis de manger. Donc c'est pas dessert, pas dessert. Aujourd'hui et demain, je peux manger ce que je veux. Ça dépend de comment tu te comportes. Si t'es gentil, un petit dessert. On est la comité. Passion, action. C'est ça, noble intention. C'est ça 2023, voilà. Les gars. Moi, je suis l'action, moi. Allez, viens. T'as pas gagné le grand. T'as pas gagné. Allez, une marche. C'est plus un trouble. Ça passe pas et à papa. C'est bien ça, le bleu et l'orange. Ah, non, pas de problème. Oh putain, j'ai mal aux jambes, les gars. Ah, et voilà. Tu vois, c'est ça ton problème. Tu vois. Et paf, un mollet. Non, il me demande si ça fait tellement du bien. Goat cheese. Goat cheese. Goat, goat. Moi j'ai une barbe moi tout seul. Non, c'est moi la barbe. C'est simple et efficace. Simple et efficace. Elle est, très, très elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est magnifique. Bon. Moi je suis Modric, je délivre des caviar comme ça, à gauche, à droite. Je suis pas une star, moi. Je fais briller les autres, moi. Moi je vois un mec qui aime bien l'orange. Je vois un mec solaire, moi. Je vois un mec, il brille par son sourire, tu vois. Tu dis quand il sourit, tu dis lui, c'est un mec qui a réussi dans sa vie. Ouais, moi je vois. Je vois lever de la victoire.